circuit avec dérivation, notion de nœud et de branche. On retrouve ici le circuit vu dans l'activité numéro 7, donc composé d'une pile, de deux lampes, L1 et L2, et ces deux lampes, si l'une est dévissée, eh bien l'autre continue de briller, d'accord ? Donc si on dévisse L1, L2 continue de briller, ou si on dévisse L2, L1 continue de briller. Donc ces deux lampes, L1 et L2, sont branchées en dérivation, puisqu'elles ne sont pas dans la même boucle. On peut observer ici la boucle rouge, composée de la pile et de L1, et la boucle verte, composée de la pile et de L2. Voilà pour ce que nous avons vu dans l'activité numéro 7. Ce qu'il y a de nouveau avec ce type de circuit, c'est que nous avons dû brancher des fils de connexion les uns sur les autres, comme sur ce dessin. On remarque ici que deux fils, on a branché un fil sur un autre fil, et donc que les deux fils qui relient L2 au circuit, en fait, sont tous les deux reliés aux bornes de L1 sur les deux fils qui sont déjà branchés sur L1. Sur le schéma, cela est représenté ainsi, par ces deux embranchements que l'on appelle des nœuds, et que l'on a sur ce schéma entouré. Donc, lorsque l'on branche un fil sur un autre fil qui est déjà branché aux bornes d'un dipôle, on crée un nœud. Enfin, une branche est une portion de circuit entre deux nœuds. Notons A et B, les deux nœuds présents dans ce circuit. Les portions de circuit entre A et B sont donc au nombre de 3, avec cette portion-là, celle-ci et celle-là, que l'on retrouve aussi sur le dessin. Représentons ces portions en couleur. La première a été représentée en rouge, la seconde en bleu et la troisième en vert. Faisons la liste de ce que contiennent ces différentes branches. Commençons par la branche rouge. Eh bien, on peut remarquer que la branche rouge contient la pile, mais aussi deux fils de connexion. La branche bleue, quant à elle, ne contient que la lampe qu'on appelle L1. Et la branche verte va contenir deux fils et la lampe que l'on appelle L2. Enfin, on appelle branche principale la branche qui contient la pile. Et donc ici, la branche principale, celle qui contient la pile, eh bien, c'est la branche rouge.